Two. Six. 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 Salsa en tout New York style. Alors, il y aurait beaucoup de choses à vous dire, mais on va pas faire non plus trop de blabla. Tout d'abord, un grand merci à Tito Puente qui nous a interprété le Hong Kong Mambo. Eh bien, saviez-vous que cette chanson date de 1958? Alors, salsa sur le 2, on en entend de plus en plus parler. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Alors, il ne faut pas confondre, parce que ce n'est pas non plus si nouveau que ça, avec le Mambo. Je vais vous montrer la différence. Le Mambo que vous pouvez retrouver dans Dirty Dancing numéro 1, quand vous les voyez danser. Donc, ça donne ceci. Le pas de base que vous connaissez tous en salsa cubaine ou en portoricaine, nous avions donc le 1 avant pied gauche garçon et le droit arrière, ce qui faisait 1, 2, 3, 5, 6, 7. Quand on parle de danser le mambo, et ça devient très très rare de trouver un endroit où on en danse, enfin à Cuba, nous avons encore les petits vieux qui dansent le mambo, c'est très chouette, qui s'apparente presque à une danse de salon pour eux d'ailleurs. Donc, nous avons donc le 1 qui va être avant gauche sur le 2. Ça va faire 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Par contre, ce que l'on retrouve de plus en plus en soirée, que ce soit en France, à Bruxelles, etc., eh bien, c'est danser sur le 2 de la façon new-yorkaise. Alors, il y a déjà un point commun avec la salsa portoricaine, c'est que ça se danse en ligne, donc à 180 degrés. Donc, on ne se retrouve pas à faire des tas de tours n'importe comment. Deuxième chose, ça se danse sur le 2, un petit peu comme le cha-cha-cha, mais là, le 2 ne sera plus gauche avant garçon comme en mambo, mais ça sera le 2 droite arrière garçon. Ce qui va nous donner donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, question? Oui, une question là-bas, je vois. Donc, comment doit-on commencer? Eh bien là, vous commencez sur ce que vous voulez. Vous commencez sur le 8, sur le 1, sur 2,5, comme vous avez envie. Le tout, c'est de commencer par rapport au rythme musical. Maintenant, moi, je vous conseillerais pour avoir plus facile de commencer soit sur le 1 ou soit sur le 6. Alors, si vous commencez sur le 1, comme vous avez toujours l'habitude de faire 1, 2, 3, 5, 6, 7, eh bien, vous allez faire, garçon, le 1, toujours avec votre pied gauche, mais au lieu d'aller en avant, vous allez aller sur place et discretos. Ce qui va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, comme ça, au niveau musical. C'est plus simple, vous avez tout de suite le 1, pas 1, 2, 3, 4, et c'est parti. Maintenant, si vous avez envie de danser comme en ailé, etc., en directement en avant, eh bien vous écoutez la musique et vous attendez le 6. Et quand vous avez le 6, c'est ce qui nous fera 6, 7, 8, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Alors, au niveau musical, eh bien, ça va être évidemment un petit peu différent la façon dont vous allez danser par rapport à la musique. Puisque en dansant sur le 1, vous êtes sur les temps forts, donc ça veut dire qu'il y a de l'énergie dans la musique et vous mettez de l'énergie dans la danse. En dansant sur le 2, eh bien, il y a de l'énergie dans la musique, vous ne faites plus rien, et au moment, et à un moment donné, d'ailleurs, c'est plus calme dans la musique, et c'est vous qui allez agir. Donc c'est beaucoup plus smooth, on a même l'impression que c'est au ralenti, qu'on danse au ralenti, qu'on danse plus lentement, alors qu'au bout du compte, ben, il y a toujours le même nombre de pas. Mais donc il y a évidemment un petit déhanché et un feeling à avoir, ce qui fait que c'est un petit peu plus délicat. Alors, les difficultés ne sont pas tellement pour la fille, étant donné que la fille doit se laisser
faire. Voilà, elle se laisse faire, elle se laisse guider. Mais c'est surtout au garçon qui doit essayer de garder son 2. Surtout pour ceux qui viennent de la salsa cubaine ou portoricaine. Puisque celle-là, bon, ça fait déjà des centaines de vidéos qu'on vous tape sur la tête pour vous dire qu'il faut commencer sur le 1, il faut bien faire, etc. Et puis ici maintenant, on change. D'ailleurs, c'est comme si c'était une nouvelle danse. Même s'il y a des points communs avec les pas. Disons que les figures de salsa portoricaine pourront se remettre beaucoup plus facilement en salsa new-yorkaise. Bien, et bien, juste pour montrer cette différence d'énergie qu'on pourrait avoir, et bien, je propose de regarder un court extrait avec la même musique et simplement le pas de base sur le 1 et le pas de base sur le 2. Les mêmes pas, mais au niveau musical, sur le 1 ou sur le 2, c'est ce que vous venez de voir. Maintenant, Joël va un petit peu pratiquer avec vous, donc pour déjà ce pas de basse ou simplement le crossbody lead en salsa new-yorkaise. Donc, je vais expliquer pour la fille puisque je ne l'ai pas encore fait. Donc, normalement, la fille, sur le 1, vous démarrez avec votre pied droit en arrière. Mais ici, sur le 2, le 1, comme disait Raphaël très discrètement... Oui, Raphaël, c'est moi. Donc, si vous n'avez pas encore l'habitude de danser sur le 2, vous le faites donc avec votre pied droit discrètement sur place. Et vous commencez le 2, en fait, en avant. Donc, sur le 2, vous allez démarrer en avant au lieu de démarrer en arrière sur le 1. Bien. Donc, on y va. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 7, 8. C'est bien, mais c'est un pas de basse. C'est très important chez vous, un, de le faire, mais de le faire soit musicalement, avec les musiques que vous trouvez donc sur Internet, et vous en avez même des musiques qui sont accompagnées justement d'un 2 numérique pour éviter justement de perdre le 2. Donc ça, c'est quand même super génial. Et ou éventuellement, vous le faites avec votre partenaire, tout en comptant 6, 7, 8, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 2, 3, 4. Le crossbody hit. Le crossbody hit. Donc, on fait un pas de base. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Crossbody hit. 4, 6, 7, 8, 2, 3, 4. Donc là, la fille va commencer à faire sa petite marche vers l'avant sur le 2. Elle commence déjà sur le 2 et elle finit sur le 4. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Pour la vuelta, c'est la même chose. C'est comme en salsa cubaine et portoricaine, il faut penser à lever au bon moment. 6, 7, 8. 2, 3, 4 et 6, 7, 8. Et ça, évidemment, ça va venir, vous allez le sentir, en fonction du tempo de la musique et évidemment de votre partenaire, de sa réactivité et aussi de l'état du sol pour voir si elle peut faire 3 tours, 4 tours. Ici, elle est assez rêche, donc on ne va pas trop en faire. Donc, nous continuons. Alors, nous avons aussi le crossbody lead comme vuelta. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4. Alors, ici, quels sont les conseils pour les filles? Donc, les conseils pour les filles,
Eh bien, au lieu de terminer le 3 et le 4 simplement, donc votre petite marche et votre quart de tour, eh bien, le garçon va vous faire tourner. Donc, le tour s'achève aussi sur les mêmes temps. Hein. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4, vous avez fini votre tour et vous terminez 6, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Voilà. Alors, nous espérons que cette première vidéo sur la salsa en tout vous a plu. Eh bien, elle est mise sur YouTube, donc vous avez la possibilité de, d'une part, de marquer si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé, mais aussi de mettre vos questions et de mettre vos commentaires juste en dessous. Donc, soit on répond nous-mêmes, soit d'autres personnes de la communauté apportent leur petit plus ou les petites améliorations ou ce qu'elles aimeraient bien voir sur le site, comme vous pouvez aussi nous écrire à info@cours de salsa gratuit.com. C'était le bon site.